Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On se retrouve pour une nouvelle masterclass. Ça faisait un petit bout de temps que je n'avais pas fait de masterclass et en fait, je vous avoue que ça me manquait. Et je suis particulièrement heureux puisque depuis que j'ai commencé à communiquer un petit peu autour de celle-ci, j'ai eu énormément de retours positifs, de retours intéressés, de « mais c'est quoi en fait ce sujet-là du neuromanagement, du « mais moi je veux absolument y être, mais je ne suis pas convaincu de pouvoir être là, est-ce qu'il y a la possibilité d'y réassister derrière ?» Et en fait, on va avoir une soirée absolument passionnante. C'est vraiment extraordinaire pour moi d'avoir la chance de pouvoir partager, côtoyer, inviter des experts sur les sujets du développement de l'humain, comme vous le savez. Et ce soir, donc, on va y aller sur le management. Je pense que c'est une magnifique opportunité que nous avons pour pouvoir démarrer l'année 2023. Alors, on va parler neuromanagement. Je vais évidemment assez rapidement, parce que c'est elle que vous voulez voir mettre à l'écran et inviter à nous rejoindre Mélinda Limoges. Je vous demande, s'il vous plaît, de chaleureusement accueillir Mélinda. Mélinda, comment vas-tu? Hello Nicolas, hello tout le monde. Bah écoute, ça va pas mal. Janvier et tout, non, ça va bien. En plus, là, on voit le haut de ma tête aujourd'hui, contrairement à la photo. Donc, j'ai des cheveux, c'est déjà pas mal. Donc, non, ça va bien, merci. C'était pour rajouter, je t'en prie, c'était pour rajouter au mystère. C'est vrai que le montage que j'ai fait avec les photos que tu as apportées, ça avait fait une petite coupe, mais en même temps, ce qui nous caractérise, toi, moi et l'ensemble des invités que j'ai, c'est la capacité à traiter de sujets de haut niveau d'expertise et de haut degré d'importance, tout en étant léger, joyeux et en ne se prenant pas au sérieux. J'en profite pour saluer Alain, Lionel, camarade Lionel, Jonathan, qui sont avec nous en direct sur LinkedIn. Ce soir, notre masterclass nous est diffusée à la fois sur ma page LinkedIn, au sein de mon groupe Facebook Mindset de Gagnant, et également sur ma chaîne YouTube Mindset de Gagnant. Tout ça en parallèle. Donc, n'hésitez pas à nous mettre dans le chat d'où est-ce que vous venez. J'aurais envie de vous amener ce défi avant qu'on présente plus en amont Mélinda. Si je vous dis neuromanagement, bonsoir Ramucho, à quel mot associez-vous neuromanagement? Je voudrais que vous mettiez ça dans le chat. Ça peut être bizarre, ça peut être intriguant, ça peut être une définition, mais en tout cas, en un mot, à quel mot au singulier idéalement, coucou Elodie, coucou Mathieu, associez-vous le terme de neuromanagement? Mettez-nous ça dans le chat. Et oui, tu vois que c'est mon studio. Je viens de voir le truc qui bouge. D'accord, génial. Tu vois, mon studio est bien organisé puisque tu vois les différentes personnes qui peuvent s'exprimer et d'où elles viennent en même temps. À quel mot neuromanagement ça vous évoque? Bonsoir Stéphanie qui nous dit le top du top pour associer ça. Dominique est avec nous. Est-ce qu'il y a un mot pour Ramucho? C'est épanouissement. C'est ça, mais il y a beaucoup de ça. C'est épanouissement. Il y a beaucoup de ça et c'est ce qu'on va regarder ensemble. Donc, continue à mettre ça dans le chat. Et ce que je voudrais, avant qu'on rentre dans le sujet, c'est tout simplement que tu puisses te présenter, Mélinda, pour les personnes de mon auditoire qui ne te connaîtraient pas encore. Alors, je suis effectivement Mélinda Limoges. Je suis coach en neurosciences et en fait, je travaille avec les entreprises beaucoup, mais aussi les individuels pour augmenter tout ce qui est performance et bien-être. Voilà, les deux, parce que l'un ne va pas sans l'autre, tu peux pas, et c'est pareil dans le sport, j'imagine. Donc, si tu as un moment, tu n'as plus de plaisir, c'est plus compliqué. Et voilà, avec trois gros piliers qui vont être neurovente pour comment comprendre ce qui se passe dans le cerveau de ton client et le tien pour vendre mieux et plus, neuroperformance pour être plus performant et neuromanagement, donc dont on va parler aujourd'hui pour comprendre ce qui se cache derrière la motivation, comment motiver mieux ses équipes et augmenter son leadership. Excellent, la performance dans le bien-être, on est donc bien au bon endroit, je n'ai pas commis d'erreur en t'invitant ce soir. Parce que tu avais des doutes en plus. Aucunement. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on va regarder ensemble justement ce sujet du neuromanagement, je vais juste l'introduire un petit peu, et puis ensuite te demander de nous dire ce qu'il en est. Parce que d'une certaine façon, l'univers du management opérationnel, il est vraiment en plein changement. Il y a de nouvelles manières de travailler, de penser l'entreprise qui sont en train d'émerger peu à peu et qui nécessairement vont remplacer les modèles classiques.
Ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, le management, il se fait plus de façon unilatérale. On en parle ici et là au gré de mes invités et des contenus que je peux proposer. On est vraiment dans quelque chose qui se constitue employé et collaborateur et direction dans tous les sens d'un point de vue hiérarchique. Et c'est dans ce concept-là qu'apparaît le neuromanagement, qui est là. Alors, je vais le dire avec mes mots, mais j'insiste et tout le monde le sait. Quand je mets en place ces masterclass, c'est la personne que j'invite qui est l'experte et qui va nous donner ça avec beaucoup plus de précision. De ma lecture à moi, le neuromanagement est une approche scientifique qui est issue, comme ça l'indique, des neurosciences, qui permet au manager de mieux comprendre comment fonctionne son cerveau, mais aussi celui des personnes qu'elle manage. Et ce qui est intéressant, me semble-t-il, et c'est pour ça que je suis très heureux que tu sois avec nous ce soir, c'est que cette méthode, elle s'intéresse, ben, au sens large, aux aspects économiques, managériaux, comportementaux, toujours via le spectre de l'activité cérébrale et, je pense, de la compréhension des émotions d'autrui, de l'acceptation pour pouvoir justement améliorer la performance organisationnelle. Comment est-ce que toi, tu pourrais, pour commencer, nous dire ta vision du neuromanagement comme ça, vraiment de la façon la plus pragmatique? Non, mais c'est exactement ça. Enfin, tu as tout dit. Moi, ce que j'aime, c'est que c'est scientifique. En Oui. gros, c'est pas, on s'est dit, ah bah, tiens, ça marche bien, c'est la règle. Non, non, non. On a regardé dans le cerveau avec les progrès de l'imagerie médicale, etc. On sait exactement ce qui se passe. Donc, c'est vraiment scientifique. C'est effectivement, connais-toi toi-même déjà pour mieux communiquer et manager, ce qui est pas mal. Et je dirais, la cerise sur le gâteau, ça va être, bon. C'est bien parce que ça va t'aider en tant que manager à être un meilleur manager et à aider tes équipes à mieux performer. Mais ça va t'aider aussi dans ta vie perso parce que plus tu te connais toi, mieux tu es aligné avec ce que tu fais. Donc, je suis. Voilà. Tu avais tout dit déjà. Ok. Comment est-ce que pour les personnes qui seraient là et qui m'ont posé la question avant qu'on ait cette masterclass, ok, neuromanagement, mais en quoi est-ce qu'il y a une forme de différenciation, d'amélioration, de valeur ajoutée par rapport à ce qu'on appelle le management classique? Ben justement, c'est parce que tu vas comprendre, c'est en comprenant comment ton cerveau fonctionne et comment tu fonctionnes, tu vas en déduire certains comportements, tu vas te rendre compte très vite que, un, je vais donner juste deux, trois stats, mais 98% de tes pensées sont les mêmes chaque jour. Donc déjà, si tu penses que tous tes jours sont différents, eh ben non, tous les jours tu revis la même chose et tu vas comprendre que ton cerveau, il n'est pas là pour, quelque part, il essaye que de te protéger. Donc il va t'empêcher de faire tout ce que tu as envie de faire. Et quand je dis toi, ça va être les personnes aussi que tu manages. Donc, une fois que tu sais ça, tu peux mettre en place des comportements et des actions pour les aider un petit peu plus à avancer. Et donc le neuromanagement, à travers ce que tu nous dis, c'est la prise en compte de la partie reptilienne du cerveau qui est là pour nous faire rester en état de survie versus aller vers notre moi idéalisé. C'est de cette nature ou pas du tout? Parce que j'assume que je peux Il y a lancer des aussi ça. perches qui ne soient pas les bonnes. Hein. Non, 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 mais il y a aussi ça. Il y a effectivement, il y a un côté reptilien qu'il va falloir prendre en compte et considérer que justement, la personne en face de toi, si par exemple, tu lui proposes de faire prendre une nouvelle équipe ou d'être un petit peu plus, enfin, un nouveau challenge, à la base, elle risque de se mettre dans la première réaction, ça va être ouh là là, j'ai pas envie, ça me fait peur. Et il y a des moyens justement de prendre ça en compte. Une fois que tu sais ça, tu peux lui dire, si tu lui dis par exemple, OK, j'ai pensé à toi pour telle mission, je pense que tu peux y arriver parce que tu as déjà fait ça, ça et ça, et réfléchis-y et viens, on en parle la semaine prochaine. Ça lui laisse le temps justement au cerveau et à l'émotion de retomber, alors que si tu... Enfin, sinon, quand tu as une émotion forte qui, dans un cas comme ça, peut être soit tu as hyper peur, soit tu es hyper euphorique, tu n'as plus accès à ta réflexion. Donc, d'avoir ce temps de pause et de dire, OK, voilà l'idée, réfléchis, viens, on en parle la semaine prochaine. Déjà, quand tu as le rendez-vous après avec la personne, ça permet vraiment d'échanger et d'avoir qui puisse poser les vraies questions et dire vraiment ce dont il a besoin pour être accompagné sur cette démarche. Enfin, ça, c'est un exemple, mais donc voilà. Ok. Et est-ce que du coup, dans ton approche du neuromanagement, tu travailles et où tu identifies des profils de fonctionnement des humains que le neuromanagement peut aider justement à mieux prendre en compte? Alors après, c'est pas moi qui identifie le profil du management des humains, mais on sait effectivement on ne voit que le monde et notre perception du monde, elle nous est propre, tu vois. Donc moi, on va assister tous les deux à la même scène
Et on va sortir et moi je vais dire, ah, t'as vu le truc? Et tu me dis, ah non, j'ai pas vu ça. Et ça arrive dans les réunions, tu sors de la réunion, tu dis, ah, mais c'est quand même incroyable ce qui s'est passé. Et la personne en face te dit, ah non, mais moi j'ai pas compris ça. Donc c'est surtout de savoir que notre perception du monde et donc du travail, elle est propre et que face à ça, tu vas devoir donc adapter ton style de communication et de management par rapport à certaines typologies de personnes. Après, il y a plein de tests aussi qui peuvent exister pour, voilà, pour ces types-là, mais c'est clair que tu donneras pas. Moi, si tu me donnes une information, par exemple, quand tu me dis, voilà, Mélinda, tu vas faire ce truc, je vais te donner un truc, tu vas voir. Le petit A, c'est ça, le petit B, t'as qu'à suivre, c'est ça, tu n'as qu'à suivre. Ça va m'angoisser. Mais à un point, mais tu t'imagines pas. Alors qu'il y a certaines personnes, si tu leur dis juste, voilà, l'objectif, c'est ça, et tu te débrouilles, ça va les angoisser aussi. Donc, de comprendre qu'on peut adapter son style de communication, de management, pour aider les gens à performer et à avoir moins de stress, finalement. Ouais, hyper intéressant. Et je me souviens qu'on avait pu avoir un échange sur le neuromanagement pour préparer cette masterclass et que tu me disais que évidemment, il y a pas mal de bienfaits du neuromanagement et que comment est-ce qu'on s'y prend pour mettre en place le neuromanagement? Tu m'avais dit que le neuromanagement nous permet d'apprendre à décoder et utiliser les émotions qui sont souvent encore trop tabous en entreprise C'est et ça. notamment, par exemple, pour motiver. Est-ce que tu peux nous parler de ça, là, de ce sujet-là? Ouais, les émotions, pour moi, il y a deux côtés. Il y a le fait que c'est vrai que c'est déjà très tabou en entreprise. Le mot émotion, même tu dis émotion, les gens ils te regardent, ouf, qui est cette personne? Mais il a été vraiment démontré que tout ce qui était émotion positive, ça augmentait la performance. Donc à partir du moment où tu sais ça, ton job, quand tu es manager, ça va être de créer le plus d'émotions positives pour ton équipe, d'autant qu'on a aussi démontré le truc inverse, c'est-à-dire que si tu avais plein d'émotions négatives, au bout d'un moment, ça augmentait ton cortisol, ton stress, ta-da-da, et tu n'arrivais plus à réfléchir, tu étais moins performant, comme tu es moins performant, bah, tu perds confiance en toi, du coup, boum, tu as un autre pic de stress, et c'est là que tu bascules dans ce truc un peu de survie, où tu vois, ton système nerveux, il est aux aguets, et la moindre attaque que tu vas recevoir, tu vas prendre ça comme un drame, et en général, ça ne se passe pas très bien. Donc, il y a ce côté-là, trouver des moyens d'augmenter les émotions positives. Alors, ça peut être en donnant du feedback positif, par exemple, parce qu'on n'en donne pas beaucoup en France. Je crois que Absolument. c'est très différent par rapport enfin, les pays anglo-saxons, notamment. Je crois que c'était 1 pour 10, enfin, tu vois, un positif pour 10 négatifs, c'est quand même pas terrible. Alors que si c'est bien fait, ça a beaucoup de poids et c'est ça qui va te motiver. La grosse erreur qu'on fait souvent, c'est aussi de mélanger tu sais, c'est le sandwich, tu vois, tu mets un peu de positif, Oui. un petit truc négatif, et puis après, tu mets le positif. Sauf que d'un point de vue neurosciences, si tu fais ça, ton cerveau, comme il y a le biais de négativité qui va faire qu'il va retenir d'abord le négatif, parce qu'il veut que tu restes en vie, donc c'est important pour lui, les trucs un peu dangereux. Eh ben, il ne va pas du tout prendre compte du positif. Et ça, enfin, moi, je l'ai vécu 15 fois où tu parles à quelqu'un qui a son entretien annuel d'évaluation. Tu dis, alors, ça s'est bien passé. Ça s'est hyper mal passé. Il faut que je travaille là-dessus. Je dis, mais qu'est-ce qu'il a dit de bien? Ah, mais non, mais il a dit ça aussi. Mais en fait, tu n'intègres pas. Et du coup, c'est dommage. Donc, il y a ce côté-là, sur le côté émotion, donc donner plus de positif. Et il y a le côté aussi, moi, en tant qu'individu, je ressens une émotion. Par exemple, cette personne m'énerve, je n'arrive pas à travailler avec elle, qu'est-ce que j'en fais? Et c'est là où tu peux la décoder et dire, OK, bon, OK, je la ressens, elle m'énerve clairement. Pourquoi elle m'énerve? Bah, elle m'énerve parce qu'elle me coupe la parole tout le temps, elle veut toujours avoir raison. Et s'interroger sur qu'est-ce que ça va chercher en moi, pourquoi ça m'énerve? Bah parce que peut-être il faut que je travaille mon assertivité, tu vois, mais au moins tu avances et tu peux mettre des actions, alors que sinon tu restes bloqué dans cette phase qui est je n'aime pas cette personne et je n'arrive pas à travailler avec cette personne et ça sert à rien. Ouais, intéressant. Ça me fait penser, tu pointais l'importance des feedbacks positifs en reconnaissant, et je suis tellement d'accord avec toi qu'en France, on le fait tellement peu. Et moi, j'observe notamment que lorsque le boulot est bien fait, habituellement, on se limite et on se contente de bien, bon job, chouette. Ce qui vaut pour moi, mais ce n'est que pour moi, sur l'échelle motivationnelle, ça vaut 1, c'est pas 0, mais ça vaut 1 sur 100. C'est un déjà.
Mais C'est c'est pas déjà mal. ça, Déjà. mais ce n'est pas suffisant. Et c'est pour ça que moi, j'aime utiliser un acronyme que j'ai conceptualisé qui s'appelle l'acronyme DIEF, D-I-E-F. Ce n'est Ouais, pas c'est le bien. DESC, ce n'est pas le DESC pour faire une critique positive, mais le DIEF qui consiste pour le D à d'abord, quand quelqu'un a bien fait quelque chose, décrire la situation dont vous êtes satisfait. Un exemple, ça pourrait être, bon, ben voilà, notre client était super satisfait de ta dernière proposition. D pour décrire la situation dont vous êtes satisfait. Ensuite, le I pour faire identifier par la personne les compétences et les comportements qu'elle a engagés. Autrement dit, comment est-ce que tu t'y es pris pour aboutir à ce résultat? J'aime Et ça, c'est important parce que pour ce I, moi, j'avais pu accompagner les joueuses et les joueurs de basket des équipes de France en reconversion. Et je pense à Jim Bilba, qui était un joueur, un des meilleurs à son poste, un poste 4. Ça ne va pas te dire grand-chose à toi peut-être, mais peut-être que les basketteurs, basketteuses qui seront avec nous verront ce que c'est. Et je l'accompagnais dans son métier, dans son futur métier d'entraîneur. Et il était champion dans un truc technique, mais je vais être très rapide dessus pour les non-basketteurs, qui était poser un écran. Et je lui ai dit, bah, vas-y, explique-nous comment tu fais pour poser des écrans. Tu es un des meilleurs d'Europe à faire ça. Explique-nous ce qu'il en est. Et puis, il me disait, bah, je pose un écran. Je dis, oui, OK, mais comment? Ben, et ce I, de faire identifier par la personne les comportements et comportements qu'elle a mis en œuvre, ben, habituellement, il y a plein de gens, moi le premier, qui faisons des choses par automatisme et qui ne nous rendons pas compte et qui ne montons pas en conscience. Et c'est là où je suis sûr que tu pourras rebondir avec l'aspect neurosciences. Pourquoi et comment j'ai fait ça? Ça, c'est pour le I et rapidement le E puis le F. Le E, c'est pour exprimer ensuite les effets positifs que cela a eu. Ah, ok, je comprends. Donc, tu vois, quand tu agis comme ça permet de d'établir la confiance avec notre client, de renforcer notre impact, etc. J'exprime les effets positifs que ça a pour que la personne se dise, fasse le lien entre, en fait, entre son I et son E. Tiens, quand je fais ça, ça fait ça en conséquence. Et puis F pour féliciter. À ce titre, je te remercie et je te félicite. Les félicitations, c'est quelque chose de fondamental qui est très engageant pour les personnes. Derrière, ma fille en classe de quatrième l'an dernier, lorsqu'elle est revenue à la fin d'un trimestre et qu'elle dit, c'est incroyable, j'ai eu les félicitations du conseil de classe. J'ai jamais eu ça de ma vie. Eh bien, c'était dingue, c'était dingue. Et donc, la félicitation, qui est encore plus importante que le feedback positif, c'est essentiel. Quel lien tu peux faire avec ce type d'approche et ton propre travail? Ben, je te rejoins totalement sur ce que tu as dit. J'ai noté le truc, je trouve ça génial. Effectivement, plus tu vas être précis dans le feedback et plus tu vas donner des détails, plus ça va marcher. Et moi, j'aime bien rajouter une notion en plus qui est de donner du sens et de dire, voilà, ben, toi, le fait que ça, toi, tu fasses ça, et ben moi, ça me permet de comprendre que, qui rejoint un peu ce que tu as dit sur l'explication. Mais Super. voilà, ça me permet et dans l'entreprise, voilà, le fait de ta présentation, elle était super, l'analyse géniale. Moi, ça va me permettre derrière de faire une proposition à mon client qui va être hyper pertinente. Donc, On a une question de Michael qui est dans le chat et qui, lui, nous suit via la page LinkedIn et qui te demande, est-ce que tu peux définir émotions négatives et positives? Je sais alors, qu'il peut y avoir des sujets et des visions devrais complémentaires pas. là-dessus. Déjà, Donc, je n'aurais pas dû dire, si je l'ai dit, je m'en excuse, oui, tu aurais dû émotion dire, négative et je positive. sais, je sais, je pense que c'est là qu'il vient chercher et c'est pas grave Voilà. parce que moi, ça m'arrive plein de fois de dire des trucs dont je sais que Ouais. j'aurais pas les dire et c'est ainsi. Parce qu'elles sont toutes chouettes, les émotions, et on est C'est ce qu'on va content en faire qui va être de important. voilà. Mais c'est plus ouais, ce que je voulais dire, c'était vraiment désagréable et agréable. Parce qu'après, elles ont toutes un intérêt, on apprend toutes quelque chose, elles ont toutes un message. Il y en a juste qu'on aime plus que d'autres, encore que ça peut être. Enfin, après, ça en dérive plus sur quelque chose de peut-être plus personnel, mais Peu moi, importe. quand je vis des trucs qui sont un peu ben, pas très funky et que je suis pas bien, je me dis, j'ai quand même de la chance parce que voilà, j'expérimente une émotion qui est pas très agréable, mais ça fait partie de la vie. Donc, je sais pas si Effectivement. ça répond à ce que C'est Mickaël voulait. certain que ça répond. C'est certain que Ouais. ça répond parce que c'est ce que j'avais en tête. Et c'est chouette parce que ça nous donne l'occasion de préciser et d'aller plus loin. Effectivement, une émotion dite négative, je pourrais aussi passer du temps dedans et l'expérimenter comme tu le dis. Mais en réalité, c'est ce qu'on va ressentir à travers l'émotion et ce qu'on va pouvoir en faire en termes d'engagement derrière. Tout à l'heure, tu nous disais le neuromanagement peut aider sur les sujets motivationnels. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de Oui. ça parce que c'est passionnant cet aspect-là? En fait, ça peut aider dans la mesure où le cerveau il aime bien le retour sur investissement rapide. Oh Donc, oui. c'est en fait, on veut bien faire des efforts, même si bon, le cerveau n'aime pas ça, mais on veut bien faire, mais il faut qu'on ait quelque chose derrière. Donc, si tu mets des Ce que tu objectifs. veux dire, c'est que le cerveau, c'est un investisseur de start-up.
C'est un peu ça. Il veut des retours sur investissement rapides. Voilà, il faut que demain ça rentre parce que sinon ça ne va pas le faire. Et sinon, on n'est pas content. Mais à partir du moment où tu sais ça, quand tu as des objectifs sur l'année, tu vas te démotiver. Donc, c'est important de mettre des paliers intermédiaires de succès et de les célébrer quand ils sont atteints parce que ça va faire générer dans ton cerveau de la dopamine. Et la dopamine, t'es content quand il y a de la dopamine, c'est un des neurotransmetteurs du bonheur. Et voilà, c'est important parce que sinon, les gens, au bout de, ils vont se démotiver. Et c'est pour ça, à mon sens aussi, que un entretien, enfin, alors je sais, ça fait un petit moment, enfin pas un petit moment, ça fait 2 ans que j'ai quitté le monde de l'entreprise, enfin, la vraie entreprise où tu travailles dedans, mais un entretien par an avec son poste d'évaluation, ça suffit pas, il faut vraiment quelque chose de régulier pour justement pouvoir féliciter de façon régulière ou recadrer positivement, parce que enfin, positif, ça veut pas dire que tout est beau et tout va bien tout le temps. Et c'est ce que dans le sport, tu vas pouvoir en parler mieux que moi, mais si tu dis pas à un sportif comment il peut s'améliorer et ce qu'il fait pas bien, il deviendra jamais champion du monde. Donc c'est juste qu'il y a des façons de le faire un peu plus subtiles que de dire, que s'énerver et dire ça n'allait pas et tu étais nul et Ouais, carrément. Tu nous rappelais la dopamine. Le corps humain produit 50 hormones, mais il y en a 4 d'entre elles qui sont vraiment, qui jouent un rôle essentiel dans la façon dont on va se sentir. Pour le coup, pour bien rebondir sur tout à l'heure, des émotions agréables ou désagréables. Et ces 4 hormones, en fait, c'est la dopamine, l'endorphine, la sérotonine et l'ocytocine. Et c'est là où tu peux nous apporter une plus-value incroyable parce que c'est dans cette compréhension du fonctionnement humain, du cerveau et de ses hormones, justement, pour pouvoir voir ce que l'on peut faire de la compréhension de ça avec un levier managérial, très clairement. Ouais, bah là, donc typiquement la dopamine, ça va être entre autres. Alors il y a plein de façons de la déclencher, mais l'atteinte d'objectifs, le fait d'atteindre un objectif, c'est de la dopamine. La sérotonine, ça va être effectivement la reconnaissance. Si quand tu félicites quelqu'un, bam, tu prends un shoot de sérotonine, et ça passe, même si c'est juste de dire à la personne c'est bien ce que tu as fait et ça va l'aider. Bon, après les endorphines, c'est bon, c'est plus côté sport. Donc, ou Ouais, d'autres parce choses. que Dans c'est plus moi. côté. Vas-y, je t'en prie, pardon. Non, non, vas-y, je veux bien. Juste sur les endorphines, effectivement, c'est plus côté sport parce qu'en fait, les endorphines sont les hormones anti-douleur et elles sont responsables du soulagement de la douleur, de la réduction du stress. Et en fait, c'est souvent connecté à la dimension du corps en mouvement qu'on va pouvoir les mobiliser, effectivement. Donc, je te rejoins sur le fait qu'elles sont très présentes dans l'environnement sport. C'est ça que je voulais dire. Voilà, donc c'est plus côté sport, mais et après l'ocytocine qui est le côté être en lien avec les gens, de partager, même le contact, enfin, où l'ocytocine c'est aussi généré quand tu fais de l'écoute active, quand tu écoutes vraiment quelqu'un, il va produire de l'ocytocine. Donc tu es en one-to-one, enfin, ou en entretien avec quelqu'un de ton équipe, si tu lui donnes ta pleine attention. Il va générer ça. Donc, ça peut. Voilà, il y a plein de choses. L'ocytocine, il y a aussi le contact. Si tu touches quelqu'un, tu sais plus. Tu sais, les poignées de main, là. En fait, plus tu touches près du cœur, pas près du cœur, pas sur la poitrine, tu vois, mais sur le bras, plus Si, c'est si. proche du cœur, plus ça va Absolument. créer une émotion et plus ça va créer de l'ocytocine. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire. C'est passionnant parce que l'ocytocine, c'est vraiment l'hormone de la connexion et de la relation humaine. Et tu vois, sur cette partie toucher physique que tu évoques, pendant les périodes qu'on a pu connaître il y a quelque temps en mode confinement, où les relations et les coprésences étaient limitées d'une part, et qu'ensuite, pendant longtemps, c'était en mode bonjour de loin, je ne vous fais pas de gestes parce que les gestes barrières ou le check du poing, etc. Check du poing égale le plus loin du corps, du cœur qui soit. Rien que ça, pour moi, ça jouait, mais d'une façon incroyable à la diminution, je ne l'ai pas mesuré, je ne suis pas le scientifique du sujet, mais à la diminution de l'ocytocine, ou en tout cas de la connexion humaine d'un point de vue hormonal. Et c'est là où les neurosciences, par ton intermédiaire, peuvent nous apporter énormément, parce que quand on observe ça, ça peut sembler pas grand-chose ce que tu viens de dire, mais voilà, cette question du contact loin ou proche du cœur, moi, ça me parle énormément. Je sais que je suis très tactile, toujours en respectant les gens, mais par exemple, je mets volontiers une main sur l'épaule. Et tu vois, je n'avais pas pris C'est conscience super, avant que tu le dises. ouais. J'en avais pas pris conscience avant que tu le dises ce soir. Ça, tu lui fais un shoot d'ocytocine, la personne, si tu la touches sur l'épaule. Après, il y a des gens qui sont très aversifs, donc il ne faut pas se toucher trop longtemps. Absolument, Mais absolument. Tout à fait. pour faire une petite anecdote là-dessus,
y a quelqu'un qui fait une formation en ce moment sur. Il y a le monsieur qui s'appelle d'ailleurs, à qui je vais rendre hommage, Guillaume Mathias, qui racontait qu'il a travaillé un moment pour une chaîne de magasins et qu'ils se sont rendus compte que quand ils ont. Donc, ils avaient demandé aux gens qui accompagnaient les clients vers les salles, comment dire, les cabines d'essayage, enfin, les cabines d'essayage, de les accompagner en les touchant vers l'épaule, en les poussant un petit, enfin pas en les poussant, mais juste en les touchant légèrement. Et c'était un tiers de seconde. Il fallait vraiment que ça soit léger. Et ça, en fait, de les toucher, cette ocytocine, c'est aussi ce qui va créer la confiance. Et du coup, comme il y a confiance, il y a vente. Je sais que je dérape un petit peu, mais ils ont augmenté leur panier moyen de 20%. Mais bien juste sûr. Avec ce geste-là, parce que ça crée cette confiance. Waouh. Ouais, tu déraperas. Tu déraperas pas à chaque fois qu'on sera ici et qu'on parlera du fonctionnement humain. Ok, notre thématique du soir, c'est le neuroménagement, mais on est sur le fonctionnement de l'humain, les neurosciences ce soir spécifiquement. Et comment est-ce qu'on peut amener à influencer quelqu'un à aller? Et là, ça se matérialise par une augmentation du panier moyen. C'est juste fascinant de l'observer. Après, la question est toujours à quel dessin on met ça en place. Et une vente n'a rien de mauvais a priori, mais c'est très illustrant. Merci de ce partage. Mais non, j'avais trouvé ça assez marrant. Et on a tous besoin d'ocytocine. La première chose qu'on a fait quand tu as eu le Covid, c'est de créer des trucs Zoom dans tous les sens, parce qu'on a besoin de ce contact. Alors oui, il y avait une frustration parce qu'il n'y avait pas, enfin, il n'y avait pas un contact physique, mais il y avait au moins un échange. Je sais que lors de ce que tu proposes sur les sujets du neuromanagement, tu proposes des outils qui permettent d'accompagner les équipes en dehors de leur zone de confort et ou de faciliter l'adhésion à un projet. Est-ce que tu peux nous parler de ça dans la dimension équipe, collectif et adhésion, cohésion? Ouais, alors le côté sortir de sa zone de confort, c'est effectivement comprendre que déjà on est même dans sa petite zone de confort, c'est très confortable. Hein. Donc à partir du moment où tu vas demander à quelqu'un de changer, c'est là où te prendre en compte que ça va générer. Hein, c'est ce que je disais un peu au début, ça va générer un sentiment qui va être à la base pas très agréable, soit de la peur ou alors si ça peut être ou de l'euphorie, et de prendre ce temps entre les deux, de lui dire écoute, réfléchis et viens, on en reparle, ça peut être aidé. Et après, pour le côté message, là, on bascule sur le reptilien, et il y a un gars qui s'appelle, comment il s'appelle ? Il s'appelle Patrick Renvoisé, je ne sais pas si tu connais cette personne-là, Patrick Renvoisé, avec Christophe Morin. Ils ont monté une société qui s'appelle SalesBrain, et SalesBrain, ils ont décortiqué que pour convaincre quelqu'un. Alors, encore une fois, tout ça est très scientifique, ils ont fait plein de tests dans tous les sens. Il fallait convaincre le cerveau reptilien. Et oui. Parce que c'est l'émotion qui va parler, qui va te convaincre. C'est pas ton. Après, une fois que l'émotion l'a dit oui, tu vas vérifier avec ton corps, tu vois, ton le cerveau. Préfrontal. Le préfrontal qui va dire ok, je suis d'accord ou pas. Mais de toute façon, l'émotion, elle fera que ce qu'elle veut. Donc, finalement. Exact. Avec les soldes et les chaussures, je sais que bon, même si mon cortex préfrontal, il dit non, c'est pas bon, je m'en fous, je prends. Et du coup, ils ont établi 6 stimuli pour convaincre ce cerveau reptilien. Et donc, ça peut aider quand tu présentes un projet ou quand tu veux juste l'adhésion de quelqu'un à une idée. Ton message, il doit être personnel. Donc, tu dois pas dire le projet, le but, c'est ça. C'est qu'est-ce que ça fait pour toi? Tu vois, ça va te permettre de faire ça ou ça va t'empêcher d'avoir ce problème. Il doit être contrasté parce que ton cerveau reptilien, il est hyper rapide, mais il va être très... Il n'est pas très intelligent. En fait, il lui faut des choses simples. C'est noir-blanc, c'est... Donc, un message très contracté avant-après, avant le projet, aujourd'hui, tu passes, n'importe quoi, 10 heures par semaine à faire telle tâche. Et après le projet, tu feras plus que 2 heures. Pas mal. Contrasté, il doit être... personnel, contrasté, mémorable. Alors ça, c'est plus quand si on présente des longs trucs et des présentations qui durent... peut-être même 30 minutes, une heure, en fait, le cerveau va se souvenir des premières fois, des dernières fois. Donc là, par exemple, on vous parle, vous avez déjà oublié ce que j'ai dit au début, mais ou au milieu. Vous vous souviendrez peut-être du début, vous vous souviendrez de la fin, mais au milieu, ils ont besoin d'un rappel. Donc, ce qui est important dans le message, toujours le répéter, enfin, le dire bien clairement au début et à la fin. Il faut que ça soit émotionnel, on en a parlé, voilà, que ça génère une émotion. Il faut que ça soit tangible, c'est-à-dire que ça doit être facilement
compréhensible par la personne et utiliser, ne pas hésiter à utiliser tout ce qui est métaphores ou des histoires, voilà, pour ancrer le truc. Et rien que les histoires, c'est magnifique. Les histoires, c'est les gens qui t'aiment, qui te racontent des histoires quand t'es petit. Donc, Eh oui. t'embarques et tu retiens et t'es parti. Et... donc voilà, je crois que j'en ai oublié un. Je vais voir, donc contrasté, enfin personnel, Ça contrasté, va tangible, contraster. mémorable, émotionnel et visuel. Et le dernier, c'est visuel, parce que 80, enfin, 80% de notre perception reste visuelle. Donc plus Oui. il y a une image avant-après, mieux c'est. Et encore une fois, bon, si vous n'avez pas de photo, ce n'est pas gênant, mais de créer cette image et ce storytelling dans la tête, les gens se font leurs propres images et c'est très. Voilà, c'est comme ça que vous pouvez embarquer les gens, entre autres. Extraordinaire, extraordinaire. Alors, si vous avancez sur le web et que vous voyez plein de publicités qui vous sont proposées sur plein de choses, vous allez regarder que les dimensions de storytelling, de avant-après, avec une image choc, etc., on est exactement dans ce que tu es en train de décrire. Mais merci pour l'apport que tu fais, parce que si on le regarde sous le texte du neuromanagement ce soir, on est dans des caractéristiques qui vont permettre de développer le leadership et le charisme véritable, pas ce vernis de surface. On croit que la personne est chouette, mais le fait d'entraîner, de fédérer et d'inspirer. Donc là, on est vraiment dans un exemple très concret. C'est hyper intéressant d'avoir ce type de partage et je t'en remercie. Vraiment, je t'en remercie. Je sais aussi, tu m'avais dit que le neuromanagement, c'est vraiment de nature à pouvoir nous aider à notamment gérer des situations complexes et prendre de meilleures décisions. Dans ce type d'environnement, on le sait maintenant, je l'ai dit sur cette chaîne et sur ces réseaux de nombreuses fois, on est dans un environnement VUCA, volatile, incertain, complexe, ambigu. Comment est-ce que le neuromanagement peut nous aider justement sur ces situations, notamment complexes, mais VUCA aussi, et notamment dans la question de la prise de décision? Bah, ça peut nous aider notamment dans la gestion du stress. Parce que si tu apprends, en fait, quand tu es dans un système de stress et que tu as un stress constant, tu ne peux pas prendre des bonnes décisions. Donc déjà, d'être conscient de enfin, comment fonctionne le stress, c'est un truc de dingue. J'ai fait un truc l'autre fois dans une entreprise sur le stress. Et j'ai posé la question au début, combien dans l'année, enfin voilà, vous avez vécu, alors il y avait trois choix, il y avait soit... beaucoup de stress ou énormément de stress, du stress moyen ou peu de stress. Je considère qu'il n'y a jamais zéro stress. Tu vois, il y a toujours un petit... Et c'est bien le stress. Oui, 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 Il y avait 98% des gens qui étaient en stress, trop de stress, tu vois, vraiment en stress. Donc et Élevé. en apprenant, ouais, c'est dingue. Enfin, je pense... Honnêtement, j'étais surprise. Je ne pensais pas que c'était autant. Et du coup, rien que par exemple en apprenant à gérer son stress et en étant conscient que ça va affecter notre processus de décision et la façon dont on prend des décisions, ça peut aider. Après, il y a plein d'outils, mais je pense notamment à la cohérence cardiaque que toi tu connais sûrement et qui est un truc qui est magique. Ça fait tout, la cohérence cardiaque, c'est bien. Ça te Oui, donne oui. des bons points partout. Donc, Absolument. voilà, je pense qu'il y a c'est notamment par rapport à ça, par rapport à être capable OK. de savoir que et de savoir aussi que quand tu as une émotion qui est hyper forte, tu n'as plus accès à ta réflexion. Donc à partir du moment où tu sais ça, quand tu as un truc qui est super fort, bah, tu poses. Voilà, tu poses et tu reviens, tu y repenses le lendemain, tu réfléchis le lendemain, mais tu prends pas des décisions sous l'effet de l'émotion en tout cas. D'où ce que j'appelle les conseils de grand-mère, ce qui dans ma bouche est très positif, qui disent de ne pas prendre de grandes décisions avant d'avoir laissé passer une nuit de sommeil. C'est ça, De ne pas, dans exactement. le milieu de l'entreprise, envoyer un mail critique assassin tout de suite sous le coup de l'émotion très forte, notamment. Non, 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 non. Tu peux l'écrire, mais tu l'envoies pas. Et le lendemain, en Exactement, général, quand tu le exactement. retrouves le lendemain, tu dis, ah oui, non, je me suis peut-être un petit peu, bon. Je me suis peut-être un petit peu emballée. C'est un bel apprentissage de soi parce que ça nous permet d'observer justement que sous le coup de l'émotion, on pourrait partir vers des actes et des comportements qui nous permettent deux choses. Un, de se dire, ah oui, mais non, mais ça, ce n'est pas moi. Or, oui, c'est nous, mais dans un certain contexte. Et surtout, c'est préjudiciable à la personne que je veux être et à la bonne qualité des relations que je peux avoir avec les autres. Et tu vas te rendre, enfin, tu peux aussi te rendre compte, enfin, je pense que c'est arrivé à tout le monde. Un jour, quand tu reçois un mail et tu le prends hyper mal, ça arrive, hein, hyper mal, tu le montres à quelqu'un d'autre et la personne, elle se dit, bah, je comprends pas pourquoi tu t'énerves, hein, y a rien de dramatique. Donc, voilà, toujours respirer. Surtout que sur les mails nous privent de la plus grande partie de la perception, notamment que les neurosciences peuvent nous apporter dans l'interaction humaine, puisqu'on n'assiste pas
au non-verbal, on n'assiste pas à la tonalité de la voix, et qui sont les informations les très largement plus précieuses que le contenu même de ce qui sort de notre bouche, ou en l'occurrence ce qui est écrit sur le clavier. Exactement, c'est le plus important, je crois que c'est 93% qui est non-verbal dans la C'est ça. communication. Donc, Exactement. tu vois, juste des mots, c'est pas... ça suffit pas. Je sais que tu fais un lien aussi neuromanagement avec le sujet de l'écoute active. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'écoute active? Est-ce qu'on pourrait prendre un petit temps pour regarder comment on peut faire avec ça? Oui, alors le lien que je faisais, c'était vraiment avec le côté ocytocine que tu peux développer. Après, je peux aussi vous donner des petits hacks, enfin, des petites astuces pour être meilleur, parce que ce n'est pas toujours facile. On va se laisser d'écouter quelqu'un activement, c'est-à-dire vraiment ne pas penser à d'autres choses. Et par exemple, enfin, l'idée, ça va être de prendre des notes, parce que quand vous avez une idée, parce que si vous ne prenez pas de notes, vous allez vouloir l'idée et du coup vous l'écoutez plus, donc parce que le cerveau peut pas faire deux choses à la fois, donc vous prenez des notes et concentrez-vous sur la personne et sur la personne entière, ce qu'elle vous dit, mais aussi sur ses mimiques, sur sa gestuelle, sur potentiellement ce qu'elle vous dit pas, si elle lève un sourcil, c'est ah tiens t'es pas d'accord, ou tu vois ça, ou ça te gêne ce que je te dis, vraiment une écoute globale et pas que ce que la personne vous dit, parce que de toute façon elle vous dira pas tout. Donc Une grande qualité du leadership pour moi, c'est vraiment, et je sais que je dois progresser encore sur ça à titre personnel, c'est la pleine présence, c'est la capacité à être présent là et pour l'autre. Et mon propre coach, mon propre mentor, Martin Latulippe, quand on est ensemble en train de travailler, je sais qu'il me renvoie cette présence, le fait qu'il est à plus que 100% pleinement dédié à moi, quoi qu'il se passe autour. À chaque fois, ça me fait rien que cette prise en conscience là. Me génère ben, du coup une meilleure clarté dans mes réflexions, dans mes décisions, etc. Et c'est vrai que la cohérence cardiaque, comme tu le disais, sert à beaucoup de choses et peut aider à ça. Et notre capacité à être pleinement ici, en train de faire ce qu'on a à faire et essayer autant qu'on le peut de se détacher des pensées qui pourraient venir, qui vont nous ramener à soit oh là là, avant il s'est passé ça qui ne va pas, ou soit il pourrait se passer ça demain qui risque de ne pas m'aller. C'est vraiment fondamental. Et je trouve que cette capacité à revenir ici, accepter qu'on se détache à un moment donné en termes de pensée, puis revenir le plus intensément possible, c'est une grande qualité dans le Oui, leadership au sens large. je suis d'accord avec toi d'être hyper conscient de pas de quand on commence à penser mais qu'est-ce que je vais lui répondre, et alors de dire non, on verra après, pour l'instant j'écoute et c'est important, et de supprimer, je dirais, ma patience, et supprimer aussi tout ce qui est, enfin, les notifications, les machins, parce que une fois que tu as une notification à gauche, tu regardes et ça y est, tu as perdu le fil. Donc vraiment respecter enfin, ces moments-là d'échange, je pense, sont importants. Il peut y avoir énormément d'échanges parce que j'ai pu expérimenter ça, qui se font uniquement via le regard. On a Béatrice là dans le chat sur LinkedIn qui nous parle d'instaurer des moments de silence. Avec un de mes coachs il y a 2 ans de ça, il m'avait dit, bon allez Nicolas, ce qu'on fait là, c'est dans les 20 dernières minutes de notre séance, ce qu'on va faire, c'est qu'on va communiquer, mais uniquement par le regard. C'est chaud, Et ça. donc pendant 20 minutes. C'était très chaud. Ouais, c'était C'est franchement, chaud, c'était très, 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 très chaud. On ne l'a pas fait 20 minutes, mais on l'a fait plus de 10 minutes facile. Et du coup, c'était là, et on se regardait, et on ne se parlait pas. Il pouvait y avoir des moments de gêne de mon côté, du sien. Il pouvait y avoir des moments de forte intensité de mon côté, du sien. C'était assez extraordinaire. Et ça me fait penser à une artiste, j'ai oublié le nom, qui avait mis ça en place. Elle avait réservé une salle dans un musée. Et l'œuvre d'art vivante qu'elle constituait était que elle était assise sur un fauteuil et les gens, les spectateurs, pouvaient venir s'installer sur un fauteuil en face d'elle et se mettre pendant 3 minutes en face d'elle, sans interagir, sans parler, se regarder dans les yeux. C'était d'une je me souviens intensité de ça. incroyable. Ouais, je Et me ce qui a souviens. été très drôle, c'est que son ex-mari, dont elle s'était séparée, s'était mis dans la file et était venu et ils s'étaient parlé sans se parler, évidemment, pendant 3 minutes. Il y avait des larmes qui coulaient. C'était d'une intensité incroyable et c'est un exercice que je fais souvent faire. Je ne dois pas trahir ce que je fais par ailleurs, mais j'accompagne notamment l'équipe féminine professionnelle de basket de Bourges et récemment, je les ai fait travailler sur une séance. Je leur ai dit aujourd'hui, on ne va pas se parler, on va juste faire des sujets sur le regard. Et au début, il y a de la gêne et de l'humour et après, il y a énormément d'intensité et je pense que ça rapproche, ça rapproche, ça apporte de la communication, de la cohésion. Et ce que j'ai
ce que j'ai fait avec les filles de Bourges, et je te laisse rebondir juste après, excuse-moi, mettez-vous, à un moment donné des étapes, mettez-vous en face de la personne, et sans lui parler uniquement avec les yeux, dites-lui tout ce que vous trouvez de fantastique en elle, en termes de qualité, en termes de belles choses, en termes de compétences spécifiques, basket, etc., etc. Ah, c'était Marina Abramovic, nous dit Lucrèce, l'artiste en question. Merci, merci Lucrèce. Vas-y, Belinda. Et du coup, je suis super intéressée par ce que tu dis, parce qu'effectivement, le silence, ça peut être très anxiogène, parce qu'on n'a pas l'habitude de... Et donc, pour certaines personnes, ça peut être anxiogène, mais par rapport à ton équipe de basket, j'imagine, tu as... ça a été quoi l'impact là-dessus, après? Enfin, l'exercice leur a permis de faire quoi, tu penses, de maintenant mieux communiquer, d'être... Qu'est-ce que ça a donné? Pour moi, de mieux communiquer, d'autant que quand tu es sur un terrain de basket, il y a des moments où tu dois, par un simple regard, te parler et tu n'as pas, soit parce qu'il y a beaucoup de foule, beaucoup de bruit, t'as pas la possibilité. Tu te parles très peu sur le terrain pendant que tu es dans l'action. Quand il y a des temps arrêtés, tu le peux. Donc, de mieux connecter. Mais aussi, pour moi, alors je vais dire un gros mot, évidemment, mais un gros mot dans le monde de l'entreprise d'ailleurs, se renvoyer beaucoup d'amour. C'est ça le gros mot. Se dire des choses que tu ne te dirais pas forcément par pudeur, par gêne ou autre, et en fait, se renvoyer tes belles qualités et dire à l'autre sans lui dire, parce que ça, je sais que je leur ferai dire, mais plus tard dans la saison, ce que je vois de beau, de bon chez l'autre. Absolument. Ce que tu vois de beau, de bon chez l'autre pour renforcer le lien, renforcer la cohésion. C'est très facile d'aller pointer, on sait tous le faire au sein de couples, au sein des équipes professionnelles, d'aller pointer ce qui ne va pas chez les gens. Mais la capacité, me semble-t-il, juste avec le regard d'aller montrer à l'autre ce qu'on voit de beau chez l'autre, on crée une qualité, une connexion qui va générer, en l'occurrence, c'était mon objectif pour être transparent, énormément de cohésion, et opératoire et sociale. Et d'ailleurs, du coup, je vais rebondir là-dessus pour ce qui est, pour refaire le lien avec ce que je disais au début sur les émotions positives qui vont favoriser la performance. C'est que, donc, on a parlé de donner du feedback positif, mais moi, ce que je dis souvent aussi aux gens, c'est: vous avez des réunions toutes les semaines. Commencez par dire ce qui va bien, ce qui s'est bien passé la semaine dernière. Rien que pour habituer les gens à penser positif. Et après, vous pouvez mettre même des petits challenges en disant, qu'est-ce que vous voulez qu'est-ce que vous voulez voir progresser de positif, et de travailler là-dessus. Et après, on fait le point tous les 3 mois ou tout. Voilà, il y a plein de choses. Et si vous Et pour finir sur le positif, parce que bon... Si tant est qu'on ait envie de finir sur le positif, moi, ouais, je ne finirai jamais. Non, mais... C'est pour la vanne. Bon, après, on a d'autres choses à faire. Mais si vous êtes vous-même positif, pour revenir sur les neurones miroirs dont on a parlé, je crois, tout à l'heure, les autres, ils vont être positifs aussi, parce que les neurones miroirs, c'est quoi? C'est si je fais une action, il y a des zones cérébrales qui s'activent chez moi. Si vous me regardez faire cette action, c'est les mêmes chez vous. Donc vous avez un petit échantillon de cette émotion aussi. Donc déjà, en étant vous-même positif, ça rend les gens plus heureux dans votre équipe. Donc on n'arrêtera pas encore sur le positif. Sur le positif, tu vois, là, j'avais un groupe de dirigeants tout début janvier que j'ai réuni, et je ne voulais pas leur faire le coup de 2022-2023, mais je leur ai dit: qu'est-ce qui a été positif en 2022 et quels ont été les enseignements de 2022? Parce qu'on peut avoir des enseignements très riches sur la base de choses, et là, pour le coup, on n'est pas dans les émotions, donc on peut le qualifier en tant que tel de positif ou de négatif, en tout cas de perçu comme étant positif et négatif. Et j'aime cette idée, tu vois, c'était un peu comme le « i » de tout à l'heure, de quand il m'arrive quelque chose, qu'est-ce que j'en fais, j'en observe comme étant quelque chose de transformateur et qui va m'aider justement à y aller. Et le positif, pour moi, c'est vraiment très connoté à la notion de constructif, ce que je peux faire de ce qui m'est arrivé. Et ça devrait vraiment pouvoir nous aider, me semble-t-il, à nous projeter encore plus loin sur ces sujets-là. J'en suis convaincu. Sur les neurones miroirs que tu évoques, j'ai pris l'avion plusieurs fois avec mon ami Yannick Alain. Yannick Alain, c'est la référence sur le thème de la gentillesse. Et j'ai partagé cette expérience à son initiative pour les neurones miroirs, et ce que tu renvoies aux gens, ils le perçoivent et ils le reçoivent. Quand on prend l'avion ensemble, on va acheter des bonbons et des chocolats avant, et quand on entre dans l'avion, on distribue, mais c'est son initiative que je ne m'approprie pas, elle vient de lui, et bravo à lui, on distribue des bonbons et des chocolats au personnel, aux hôtesses de l'air, etc. Et elles sont très, très, très surprises. Et en fait, ce qu'il dit, Yaya, c'est
Mais vous vous occupez tellement bien de nous que nous aussi, on a envie de vous montrer qu'on veut s'occuper de vous et que vous soyez bien. Et ça déclenche, pour le coup, des choses absolument extraordinaires chez ces personnes qui, de toute façon, se seraient bien occupées de nous pendant, mais tout de suite, ça permet d'envoyer, à travers le geste, certes, mais je pense, d'un point de vue cérébral, des choses très fortes et très positives dans la Et puis, relation. ça change tout. Moi, j'ai fait l'exercice aussi. J'ai copié sur Yannick aussi et je l'ai fait. J'ai acheté les bonbons, je les donne. Ben oui, ben oui. En plus, c'était un vol tard. C'était genre peut-être le dernier vol, tu sais, du soir. Ils étaient fatigués. C'était après, j'étais tout. Ça vous allait bien? Tout se passe bien? Bon, super. Non, mais c'est ça. Tu sens que ça crée quelque chose d'un peu différent et ça établit une atmosphère différente. Exactement. Je sais également que tu fais des liens neuroménagement avec le sujet de la communication non violente, la fameuse Ah CNV. Peux-tu nous parler de la CNV et de ce lien? oui, non, la CNV, pas... oui, c'est bien ça. Communication non violente, Merci. parce que il y a quand même beaucoup de conflits dans les entreprises et dans les équipes. Et c'est vrai que la communication non violente, ça permet de pas s'éterniser dans le conflit et d'avancer et trouver des solutions assez rapidement et de réouvrir le dialogue, en tout cas, plutôt que d'être dans un truc comme ça. Et c'est quoi? C'est effectivement, il y a quatre étapes. C'est un, mentionner les faits de façon neutre, sans jugement. C'est pas, tu m'as fait ça et tu m'as dit ça, mais voilà, un truc assez neutre. J'ai reçu la présentation en retard. Par exemple, tu dois voir un truc. J'ai reçu la présentation en retard. Après, c'est exprimer son ressenti. Qu'est-ce que je ressens? Bah, du coup, moi, ça me stresse un peu parce que j'ai aussi une deadline à faire. Le besoin, j'ai vraiment besoin quand je te demande de m'envoyer quelque chose, de le recevoir à temps. Et après, c'est les options. C'est comment on peut faire pour que ça se repasse pas, que ça se passe pas de cette façon-là, la prochaine fois. Et ça, je pense que tout le monde devrait savoir ça. Parce que sinon, on a tendance à partir à s'énerver. Ça marche aussi à la maison. Moi, avec mon fils et ses trucs vidéo, là, c'est pareil. Tu as joué 4 heures aujourd'hui. Avant, je m'énervais, je hurlais. Maintenant, c'est tu as joué 4 heures. Moi, en tant que maman, bah, je ressens un stress un peu. Tu vois, ton cerveau ne se développe pas bien. Mon besoin, c'est que tu passes aussi du temps à faire autre chose. Comment peut-on faire pour que et tu joues sur ton truc là et on passe du temps à faire autre chose. Et ça passe tout de suite mieux que de s'énerver et de couper le dialogue en fait. Donc, non, j'aime beaucoup la communication non violente. Ouais, c'est un sujet passionnant et c'est enquiquinant, je trouve, parce que ça commence à se démocratiser un petit peu plus dans le domaine de l'entreprise, mais on a encore, j'observe en tout cas de mes propres expériences, qu'il y a encore des gens qui peuvent considérer que c'est un peu gnangnan, un peu anti-performance, anti-affirmation. Or, pour moi, c'est de la pure affirmation, la communication non violente. Dès lors qu'il y a l'expression du besoin, qui permet justement de sortir de cette tyrannie des émotions qui nous amènerait vers des sujets qui s'éloignent des besoins et qui du coup coupent la communication, donc la performance. Dès qu'il y a l'expression du besoin, on est dans la justesse des choses. Et c'est chouette qu'on puisse l'aborder ici, notamment pour les personnes qui font partie de mon auditoire. Il y en a plein qui vont être convaincus de mon auditoire, mais aussi qui peuvent s'interroger un peu sur est-ce qu'on peut y aller là dans l'entreprise sur ce sujet ou pas? Quand j'interviens sur les sujets de cohésion ou de médiation, le fait de le poser, ça se passe très bien et les plus extrêmes entendent que si c'est un outil ou une méthodologie qui permet de valoriser la communication autour de leurs propres besoins, ça sera intéressant. Mais c'est ça, et sinon, enfin, j'ai lu pas plus tard que cette semaine où je parlais à quelqu'un qui avait un gros conflit avec son manager, et sinon, c'est oui, mais il a dit ça, et c'est là, c'est de sa faute, et c'est là. Stop. C'est pas ça l'idée, c'est toi, qu'est-ce que tu peux faire toi par rapport à ça? Parle-lui, mais ne l'accuse pas, tourne-le vers toi, exprime ton besoin et tout de suite ça ira mieux et ça s'est réglé. Donc, Absolument, absolument. Ça apaise les choses. Tu as une exact. question dans le chat de Béatrice qui te dit, Mélinda, dans tes Oui. accompagnements, lis-tu la CNV dans les schémas inconscients? Alors, non, mais si, je suis très intéressée par le sujet. Donc, si Béatrice, tu peux m'expliquer ou m'en dire plus, ça m'intéresse. Magnifique. Très bien, très Je bien. suis preneuse. Contacte-moi, Effectivement. s'il te plaît, Béatrice. L'inconscient, c'est tellement un champ extraordinaire et que ce soit via des coachs spécialisés, je pense à Pascal Gomez, ou à des approches connotées hypnothérapie, il y a toujours des choses très profondes à aller chercher pour améliorer les pratiques sur ces sujets-là. C'est évident, évident. Est-ce que vous avez des questions dans le chat que vous souhaiteriez poser pour aller au bout de notre partage et de notre intervention? Le temps passe tellement vite.
On avait Anan qui nous disait qu'au Maroc, ils ont pris le leader sélectionneur Regragui pour changer même leur façon de manager leurs équipes. Super intéressant. Avez-vous des questions? On avait Lucrèce tout à l'heure qui demandait est-ce qu'on peut associer trop de stress à l'émotion de la colère? Est-ce que ça t'invite à une réponse? Ce n'est pour moi, c'est pas, et je suis pas spécialiste du stress, mais ce n'est pas que de l'émotion de la colère en fait, parce que c'est juste un dérèglement. Enfin, le stress, c'est quoi? Le stress, c'est à la base, c'est un stresseur, donc c'est un signal qui va t'aider à réagir par rapport à une situation. C'est pour ça qu'on dit qu'au départ, le stress est positif. Il y a toute une courbe du stress parce que ça va t'aider à être plus performant, justement. Mais si ce stress est permanent, alors que ce soit de la colère ou autre, hein, c'est là où ça crée un dérèglement et que ton système nerveux, il sait plus comment gérer. Et c'est là où on part dans du burn-out ou des choses. Donc, colère, oui, mais d'autres choses aussi. Il n'y a pas forcément que de la colère. C'est juste une sur. Pour moi, le stress, c'est une histoire de curseur. C'est-à-dire, c'est le trop de l'émotion, voilà, ouais, de l'émotion. Je ne sais pas si ça répond, si je réponds à ta question. À mon avis, oui. Non, mais c'est. À mon avis, oui. On verra ça en commentaire si ça répond à ça ou pas. Je vais basculer en mode partage d'écran pour justement montrer quelque chose sur ce que tu évoquais sur la courbe du Ah stress. oui, du stress. Pas de stress, c'est pas bon finalement parce que tu performes pas. Un peu de stress, c'est bien parce que ça te stimule. Et puis après, Oui. si t'arrives plus à gérer, c'est ouais, c'est compliqué. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Alors attends, et oui, comme j'ai changé d'ordinateur, il faut que je réautorise. Hop. Quitter le site web, non, surtout pas. Ok, donc je ne vais pas vous faire le partage d'écran, je vais réactualiser mon ordi, bien lui faire tout ce qu'il faut. Simplement, ce que je voulais rappeler sur cette courbe-là, en fait, c'est que sur ces sujets-là, on a, tu évoquais une courbe où on a à la fois de façon horizontale le niveau de stress et verticalement une performance. Quand on va commencer à monter, au début, on va être dans le calme, on va pouvoir commencer à être un peu activé, puis excité, et on va avoir ce qu'on appelle le bon stress. Si vous voulez, si vous avez une courbe qui monte comme ça et qui descend, le bon stress qu'on appelle le stress, L apostrophe E-U-S-T-R-E-S-S, c'est la partie haute dans laquelle on est concentré, plein d'énergie, plein de challenge. C'est un niveau de stress qui est optimal et qui permet les plus hauts niveaux de performance. Ensuite, si le stress perdure, 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 continue, là, on va avoir une baisse de cette courbe où on va se trouver dans le distress, qui est le stress connoté négatif. Décidément, ce soir, on en parle beaucoup de ces deux sujets-là, où vont apparaître les sujets de fatigue, de burn-out et d'épuisement. Et notre enjeu, c'est certainement d'être dans l'activation. J'apprécie beaucoup que tu disais tout à l'heure que le stress est quelque chose de positif à l'origine, puisque c'est un syndrome d'adaptation, comme Anseliers nous le décrivait, qui nous permet de faire face à une situation et possiblement aussi de mobiliser des ressources qu'on n'aurait pas mobilisées. Ouais. Donc il y a matière à bien l'instrumentaliser pour atteindre nos objectifs, effectivement. Exactement. Écoute, ce que j'ai envie de te demander, c'est où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie d'aller plus loin avec toi? Écoute, j'ai un site internet, chose merveilleuse, qui s'appelle melindalimage.com. Donc Très bien. là ou sur LinkedIn, Parfait. Instagram, n'hésitez pas. Et quelle est ton actualité? Qu'est-ce que tu proposes en termes de programme et où accompagnement sur ces sujets-là? Je propose des choses justement sur, je propose plein de choses différentes, mais sur le neuromanagement, sur la neurovente, sur la neuroperformance. En général, ce que j'aime faire, c'est surtout rencontrer les gens, voir le besoin et faire un petit, c'est un peu Netflix. On prend un peu de trucs là, un peu de trucs là, et Bien faire un sûr. truc qui correspond aux besoins, parce que c'est comme ça que j'aime travailler. Mais je travaille aussi avec des individuels, donc si vous voulez en savoir plus, faire du coaching, je suis là aussi. N'hésitez pas Magnifique. à réserver un créneau. Exactement. Écoute, vraiment, Melinda, merci beaucoup. Merci Cette à toi. masterclass, elle était à l'image de ce que j'étais sûr qui allait se passer. C'est-à-dire, on aborde des sujets qui sont fascinants. Ils ne sont pas que passionnants, ils sont fascinants. Et à la fois, ce qu'on a pu, grâce à tes apports ce soir, c'est avoir des outils, des grilles, des partages. Tu rappelais tout à l'heure
Ce qui est important, ce qu'on retient, c'est ce qui est plutôt au début et ou à la fin. Donc, notamment au milieu, tu nous as partagé les six stimuli pour convaincre le cerveau reptilien, qui étaient que le message doit être personnel, contrasté, mémorable, tangible, émotionnel et visuel. Donc, je rappelle ce sujet-là. Je vous rappelle le DIEF que j'ai partagé également à un autre moment. Et puis surtout, voilà, si vous voulez aller plus loin sur ces sujets, que ce soit avec Melinda d'un côté, avec moi de l'autre, n'hésitez pas à nous contacter. Je pense que vous avez vu que ce qui nous anime, c'est vraiment à la fois de partager comme ça, de sensibiliser, je dirais presque d'évangéliser sur ces sujets-là parce qu'il y a tellement à pouvoir en dire, mais aussi de passer de l'information comme on le fait là à la vraie implémentation. Donc, ça sera un plaisir de collaborer avec vous d'une façon ou d'une autre. Merci beaucoup, Mélinda, encore de ta Non, présence ce soir. merci à toi. Et juste pour peut-être conclure, s'il y en a qui ne sont pas convaincus, il y a Google qui a fait une étude sur la performance collective d'une équipe. Et ce qui est ressorti, alors il n'y avait pas que Google tout seul, ils avaient des psys, etc., je ne sais plus quelle université américaine dedans, mais les critères de performance, c'était pas. Enfin, ils avaient testé plein de trucs en disant est-ce que les gens se connaissaient, est-ce qu'ils ne se connaissaient pas, est-ce qu'ils avaient tous les mêmes qualifications ou pas. Ils ont testé plein de trucs et finalement, ce qui est ressorti, c'est que pour qu'une équipe fonctionne et qu'elle soit performance, il faut de l'empathie, de la confiance, un temps de parole qui soit respecté entre tout le monde et de la mixité. Donc voilà, et les neurosciences et les neuromanagement, ça permet ça aussi. Waouh, c'est chouette de revenir aux fondamentaux, effectivement. De l'empathie, de la confiance, du temps de parole respecté et de la mixité. Et ça va garantir justement des performances d'équipe accrues. Waouh, excellent. Pour finir, ça aurait été dommage que tu ne nous partages pas ça, effectivement. Avec plaisir. Génial, génial. Merci beaucoup, beaucoup à toutes et tous d'être là, de continuer à avancer. La formation, c'est quelque chose qui se passe tout au long de la vie et qui nous permet d'avancer. On reste en contact les uns et les autres via nos différents réseaux sociaux. Merci encore Mélinda, très bonne soirée à Merci toutes et à à vous tous. tous et bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Daniel Narcisse. Ouais. Et le voilà! Et il est pas beau ce Daniel! Il est pas merveilleux ce Daniel! For the first time in the playoffs, Diaw did start 24 games in the regular season. Diaw will try a three. Puts it in! Boris Diaw from downtown! Away. They'll talk about it the rest of your life. Magic fires for three. Got it! Off the buzzer! Magic hit a three-pointer! Defended by separation. It's Parker. Good! Zeller has Jordan. Jordan with 2 seconds to go. Puts it up.